Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Il aura fallu attendre un demi-siècle pour que la plus haute autorité de l'État reconnaisse publiquement et solennellement la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs entre 1940 et 1944. Ce discours de Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, constitue un acte décisif qui plonge dans une mémoire douloureuse, un trou noir de notre histoire. La guerre est claire, la ruée des chars, des centaines de milliers de morts, de prisonniers, un pays abandonné, désarticulé. Paris, ville ouverte. En quelques semaines, la France s'effondre, coupée en deux, livrée au nord par l'armistice à l'occupation allemande. Emportés par le traumatisme de la débâcle, les Français se donnent à un vieux maréchal qui promet le redressement moral et intellectuel, prône le retour des vraies valeurs. La révolution nationale se met en place sous la botte allemande, sous le signe de la collaboration d'État. Situation inédite créée par la défaite, les Juifs de France vont être les premières cibles. Dans la zone qu'ils occupent, les nazis appliquent la politique raciale du Reich, tandis que Vichy instaure un antisémitisme à la française. Les Juifs vivant en France vont ainsi être soumis à une double politique, celle de persécution et d'exclusion conduite par l'État français, celle de déportation et d'extermination dictée par les Allemands dans le cadre de la solution finale. Ces deux politiques vont finir par se rejoindre en 1942. Dès l'été 40, le gouvernement de Vichy lance une offensive contre les étrangers de l'intérieur. En juillet, on révise les naturalisations accordées depuis 1927. 6000 juifs perdent ainsi la nationalité française. En août, on abroge la loi Marchandeau qui interdit la haine raciale. Il n'y a plus de barrière légale à l'antisémitisme dans la presse. Il y a une première phase qui est l'antisémitisme d'État. C'est-à-dire que c'est une décision volontaire d'un gouvernement et même d'un régime qui a son idéologie propre, au sein de laquelle les juifs doivent être exclus, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers. C'est le sens de la promulgation du statut des juifs en octobre 1940, c'est le sens de toutes les mesures antisémites qui sont prises à ce moment-là et qui ont une vocation fondamentale d'exclure le ou les juifs de la société française. C'était la revanche de l'affaire Dreyfus pour... La camarilla qui entourait le Pétain et dont le garde des Sceaux, Raphaël Alibert, était le fleuron, le plus beau fleuron. Il avait répondu à quelqu'un qui lui posait des questions sur ses travaux au mois d'août 1940 qu'il préparait aux Juifs un statut aux petits oignons. Eh bien, on l'a eu ce statut le 3 octobre 1940. Et le ministre des Affaires étrangères, Baudouin, a dans son journal écrit ce jour-là que c'est le maréchal qui s'est montré le plus sévère, pas un juif dans l'enseignement, pas un juif dans la justice. L'article 1er du statut définit le juif par la race. Même la législation nazie, qui se contente d'une définition par la religion, ne va pas aussi loin.
aux yeux des responsables de Vichy, le juif ne sera jamais assimilé. Le juif restera toujours un métèque, en utilisant le terme dont les Grecs utilisaient. Il sera toujours en dehors de la cité. Il ne pourra jamais s'intégrer à la vie de la cité. Donc, au nom de cet antisémitisme d'État, dès octobre 1940, les citoyens juifs français vont devenir des citoyens de deuxième et troisième zone, et on leur interdira un très grand nombre de professions. Les autres articles excluent les juifs de la fonction publique, des grands corps de l'État, de la presse, du cinéma. Le 4 octobre, une loi autorise l'internement des juifs étrangers sur simple décision des préfets. Elle va beaucoup servir. Puis, le décret Crémieux, vieux de 70 ans, est aboli. Les juifs d'Algérie perdent la nationalité française. Les juifs mis à l'index, il faut en dresser la liste. À Paris, un fichier juif est créé qui comporte 4 entrées, par ordre alphabétique, par nationalité, par rue et par profession. En zone sud, à partir de 1941, un recensement systématique des juifs est organisé, préfecture par préfecture. Ce recensement a été suivi, je dirais, par au moins 90% des juifs. Ils ont été accablés. La propagande antisémite des années 30 était douloureuse, mais ils luttaient contre elle. Et là, les moyens de lutte étaient tout à fait limités, parce que la France était désorganisée, il y avait une zone libre, une zone occupée. Il n'y avait pas de leader juif. Prenons l'exemple de Bordeaux, beaucoup de juifs n'avaient pas de nom juif, ils avaient des noms tout à fait français ou bien espagnols. Ils auraient pu se soustraire à ce recensement, mais ils l'ont fait par, je crois, par dignité d'être juif et d'assumer leur condition de juif. Répertoriés, les juifs sont encore marqués. En zone occupée, la carte d'identité porte la mention juif à partir d'octobre 1940. L'antisémitisme d'État, institutionnalisé par Vichy, vient de loin. Il plonge ses racines dans une culture véhiculée depuis le 19e siècle. Les caricatures mettent en cause le juif cupide, banquier enrichi, qui enserre le monde dans ses griffes. L'affaire Dreyfus cristallise, amplifie, exacerbe un antisémitisme à la française qui ne cessera d'avoir sa presse, ses théoriciens, ses groupuscules. L'Action française de Maurras et Daudet, dans les années 20 et 30, véhicule des thèmes violemment antisémites, et les canaux du roi manient volontiers la canne contre les immigrés qui affluent d'Europe centrale. En 1936, un conseiller de Paris, Darquier de Pellepoix, dont on reparlera, réclame un statut des juifs. Déjà. L'élection de Léon Blum à la présidence du Conseil cristallise une nouvelle flambée de haine antisémite. Le jour de son investiture, Léon Blum est interpellé par le député Xavier Vallat. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. Ce même Vallat pourra affirmer sans risque de démenti, en matière d'antisémitisme, je n'ai pas de leçons à recevoir des Allemands. Il va bientôt le prouver. Cette haine antisémite, nourrie de fantasmes, dénonce l'invasion juive ou la France en juivée. Pourtant, à la veille de la guerre, on ne dénombre que 300 000 juifs divisés par un clivage fondamental. 150 000 environ sont français, les autres étrangers d'immigration récente. Ceux-là vivent dans des quartiers du centre où ils reconstituent de mini-sociétés dans l'atmosphère du Stettel natal.
Ils se situent en bas de l'échelle sociale, ce sont des travailleurs manuels qui tiennent des boutiques ou travaillent dans des petits ateliers. Les juifs français, eux, bien intégrés, sont des bourgeois, commerçants ou membres des professions libérales, médecins et avocats. Les juifs étrangers, les plus vulnérables, vont être les premières victimes de Vichy. Voici le premier film authentique sur le camp de réfugiés dans la France conquise. Premier indice de ce qui se trame dans l'Europe nazifiée. La marée des gens sans abri augmente à travers l'Europe. Ici, ils vivent dans des baraquements des hommes qui ne sont plus ni mari ni père, et d'autres qui payent cher le prix du combat. Ici, ils vivent dans des baraquements des femmes qui ne sont plus ni épouses ni mères. Elles ne sont qu'un échantillon parmi les 250 000 personnes dont les vies sont désormais misérables. The picture touches only one section of one conquered country. Here too are those who can't expect to walk again. Plus. They may live one year, perhaps 10 years, but only as invalids. And more arrive daily, delivered to the camps by the order of the German Gestapo. People who fled from the Low Countries, seeking safety in southern France, finding only complete poverty. Jews who fled wildly, hopelessly, finding now their only haven in the vast French concentration camps. Their counterparts are drifting throughout the whole of Europe. How many millions there are in how many camps? Is known only in the secret records of the Gestapo. Only they know how seuls many drops in Europe's vast tidal wave of despair. Ce film inédit, tourné sous l'égide de la Croix-Rouge américaine en 1941, est en dessous de la réalité. Dans cette France des barbelés, qu'est devenu l'État vichysois, près de 100 camps accueillent dans des conditions épouvantables les juifs étrangers raflés en application de la loi du 4 octobre 1940. Dans ces camps, Gurs, Le Vernet, Noé, Rivesaltes, sont entassés 40 000 internés, dont 5 000 enfants. Les préfets, en bons fonctionnaires, appliquent les directives d'internement sans sourciller. Ces juifs étrangers sont livrés au froid, à la famine, à la maladie, dans l'indifférence générale. La mortalité est forte. C'est donc dans la zone libre que les premiers juifs ont été arrêtés massivement et que les premiers juifs sont morts. 3000 juifs sont morts pendant l'été, l'hiver 40-41, 41-42, parce que dans certains camps, il y avait une incurie administrative, il y avait de la corruption, les conditions d'hygiène, de nutrition étaient tout à fait insuffisantes. Allemande est créé en mars 1941, le commissariat aux questions juives, chargé de gérer le problème juif. Le responsable avec le rang de sous-secrétaire d'État est Xavier Valla, antisémite militant et fanatique, figure de l'extrême droite de l'entre-deux-guerres. Le juif, explique-t-il, n'est pas seulement un étranger inassimilable. C'est aussi un étranger qui est conduit à créer, avec ses congénères, un super-État dans l'État. Valla est le véritable auteur du deuxième statut du juif, qui par une loi du 2 juin 41 se substitue à celui d'octobre 40. Ce texte, qui définit bizarrement la race juive par la religion, aggrave encore l'exclusion des juifs de la société française. L'article 4, en particulier, précise que les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, commerciale, industrielle ou artisanale. Un système de numerus clausus est instauré pour limiter le nombre d'étudiants juifs. Des quotas, en général 2%, sont prévus pour les avocats, les médecins, les dentistes. Mais le plus important pour Vichy est l'aryanisation économique.
Ce sont des dizaines de milliers d'entreprises qui ont été vendues, de sociétés, des milliers d'immeubles qui ont été vendus. L'argent revenait au commissariat général aux questions juives, donc à l'État français. Sous le nom barbare d'arianisation, il s'agit en fait de transférer les entreprises juives à des propriétaires non juifs. Cette politique a été instaurée par les Allemands. Vichy la poursuit sous l'égide du commissariat aux affaires juives. La loi du 22 juillet 1941 permet de nommer des administrateurs provisoires qui procèdent à la liquidation judiciaire ou au transfert de propriété. Au total, l'arianisation touche surtout les petits artisans, les petits commerçants qui sont réduits à la misère. Privés de travail, les juifs doivent vivre d'expédients dans un environnement hostile qui les rejette. Vichy attache une importance particulière aux professions artistiques et intellectuelles. L'édition, le cinéma, le théâtre sont purgés. À Paris a été inauguré l'Institut d'études des questions juives. Monsieur Gérard prend la parole. L'Institut d'études des questions juives ne dépend et ne dépendra jamais d'aucun parti politique. Ils sont avant tout un office de centralisation, de coordination et d'information traitant la question juive sur le plan scientifique et étudiant le problème juif sur le plan européen. L'Institut rend hommage aux pionniers de l'antisémitisme. Paris, ici vécu Édouard Drumont qui, le premier en France, posa le problème juif dans toute son ampleur. L'Institut des questions juives commémore en présence de Madame Drumont le souvenir du courageux précurseur. L'Institut des questions juives se fixe pour tâche l'élaboration d'une science du judaïsme. Les publications de l'Institut témoignent de cette prétention. Mais la grande activité de l'Institut est l'organisation en 1941 d'une grande exposition. À Paris vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Statistiques, graphiques, tableaux hallucinants se succèdent. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité, s'était enjuivée surtout depuis 1936. On alla jusqu'à voir tous les postes de commande de la maison France entre les mains des Juifs. Le résultat, on le connaît. Sur 100 Français de vieilles souches françaises, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du Juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des Nègres. Le Juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres. Il est réconfortant de voir que le public s'intéresse particulièrement à l'étude des caractéristiques du Juif qui lui sont présentées dans la section morphologique de l'exposition « Le Juif et la France ». Ainsi grossit chaque jour le nombre des Français qui, sachant discerner le juif, pourront se protéger contre ses agissements. On estime à 200 000 le nombre des Parisiens qui viennent voir l'exposition. Je crois que la population n'a pas été gangrénée. C'est mon point de vue. Là aussi, c'est toujours très difficile. Il n'y avait pas de sondage d'opinion. Il y en a eu un fin 1942, un sondage qui a été effectué par le commissariat général aux questions juives, qui a montré que moins de la moitié des Français se déclaraient ouvertement antisémites, alors qu'on leur pose des questions auxquelles il est difficile de se soustraire et c'est dangereux de répondre, ou du moins pouvait-il le penser.
Français parlent au français. Patience, nous arrivons. Léonie, nous allons retrouver nos beefsteaks frites. Ici Londres, amis français, notre émission est terminée. La presse de Vichy et de la collaboration relaye la propagande antisémite qui charrie toujours les mêmes thèmes sur les juifs responsables de la défaite. L'inculpation du juif Mendès France, dit Mendès d'Égypte, ce marchand de tapis à la paupière fripée, au regard de bête traqué, qui tremble pour sa peau. Un échantillon parmi beaucoup d'autres. De la propagande à l'action, il n'y a qu'un pas. Des attentats contre des synagogues ont lieu à la fin de 1941. Puis vient le temps des rafles. L'année 41 est rythmée par trois rafles en zone occupée. La première, le 14 mai, concerne les juifs polonais, tchèques, autrichiens, qui sont convoqués par la préfecture dans des lieux de rassemblement, comme le gymnase Japy. 3747 juifs sont emmenés par quatre trains spéciaux dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, qui sont ouverts à cette occasion et placés sous administration française. Beaune-la-Rolande et Pithiviers sont situés près d'Orléans. Des baraques pour les détenus, isolées par des barbelés. Les hommes sont astreints à des corvées. Comme dans les camps de zone sud, l'alimentation est insuffisante. Les visites des familles améliorent l'ordinaire. En collaboration avec la Feld Gendarmerie, bloque le 11e arrondissement et arrête indistinctement juifs étrangers et juifs français. La rafle se poursuit les jours suivants dans d'autres arrondissements. Au total, 4200 juifs, dont un quart de français, sont internés à Drancy. Le camp de Drancy est formé de vastes barres inachevées qui étaient destinées à être des logements bon marché. Le camp est gardé, dirigé
et administrée par les autorités françaises. Les conditions de vie sont très difficiles et les détenus s'entassent par dizaines dans des pièces sans hygiène. Des avocats montrés en pâture par la presse. Enfin, en décembre, 740 juifs français, de professions libérales ou intellectuelles, sont arrêtés et parqués au camp de Compiègne. Ces trois rafles ne sont que des répétitions générales, les trois coups d'une tragédie qui s'annonce, car le pire est à venir. Printemps 42, une série d'événements en France et en Allemagne précipite le grand tournant. La France, aux heures graves que nous traversons, a reçu un nouveau gouvernement. À l'appel du maréchal, le président Pierre Laval a formé un nouveau ministère constitué sur de nouvelles bases pour répondre aux nécessités de la politique extérieure et intérieure du pays. Le président Pierre Laval, en plus de sa fonction de chef de gouvernement, il dirigera les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de l'Information. En avril 42, Pierre Laval est de retour au pouvoir. Deux jours plus tard, il nomme René Bousquet, un de ses fidèles, secrétaire général de la police. Commissariat aux affaires juives, Xavier Vallat a été remplacé par Darquier de Pellepoix, un professionnel de l'antisémitisme dont on sait qu'il sera à la hauteur des exigences allemandes. Lorsque Pierre Laval revient au pouvoir, il va comprendre très vite que Hitler et les nazis font de l'extermination des juifs, de la solution finale, une question fondamentale. Le 20 janvier 1942, à la conférence de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, la mise en route de la solution finale a été programmée. Sous la direction d'Eichmann, des contingents de juifs à éliminer sont calculés pour les pays d'Europe. La France est concernée. Déjà, le 27 mars, un premier convoi de déportés raflés en 1941 arrive à Auschwitz. Comme un prélude, afin de marquer ceux qui doivent mourir, les Allemands imposent en zone occupée, au début de juin 42, le port de l'étoile jaune. L'étoile est une étoile à six pointes qui doit avoir les dimensions d'une paume de main. Elle doit porter en caractère noir l'inscription « Juif ». 83 000 étoiles jaunes sont distribuées contre des coupons de tissu. La presse, qui a choisi le camp du vainqueur, applaudit. Les rapports de préfets signalent des réactions hostiles dans la population à cette mesure discriminatoire. Des cas de solidarité sont relevés. Thank you.
et c'est une mesure qui leur permet immédiatement après de prendre d'autres mesures frappant les Juifs et les excluant en zone occupée de tout lieu public. C'est-à-dire que les Juifs ne peuvent plus aller dans des musées, dans un café, dans un cinéma. Ils ne peuvent plus faire leurs achats, ils doivent les faire à heure fixe. Ils ne peuvent plus entrer dans un parc, dans un square, les enfants. Non, c'est vraiment, les Juifs sont mis au ban de la société totalement. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. Le bras droit d'Himmler, Heydrich, qui a participé à la conférence de Wannsee, vient introniser à Paris les hommes qui appliqueront sans état d'âme les directives d'Eichmann. Oberg sera en France le chef suprême des SS et de la police allemande. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police. Lors de ces rencontres, Heydrich fait part des exigences allemandes. L'arrêt de mort des Juifs vivant sur le territoire français est signé. Pour les nazis, il ne reste qu'à étudier les modalités pratiques. Et pour cela, ils ont besoin de Vichy. Quand Heydrich a dit « nous allons disposer de trains pour déporter 5000 juifs qui sont internés en zone occupée », Bousquet a répondu « mais pourquoi vous ne prenez pas aussi les juifs étrangers que nous avons internés en zone libre ?» Et ça, ça a été une ouverture, je dirais, fatale, parce que les Allemands en ont conclu que la police d'État pouvait faire pour eux le travail que eux-mêmes n'avaient pas tellement envie de faire, parce qu'ils ne disposaient pas d'assez de forces de police, et parce que c'était pas populaire de voir des soldats allemands arrêter des familles françaises. Au mois de juin, des discussions ont lieu entre Oberg et Bousquet. Les négociations portent sur le nombre de juifs à déporter, sur la participation de la police française aux arrestations. Enfin, les nazis, contrairement à Vichy, n'opèrent aucune distinction entre juifs étrangers et juifs français. Finalement, le 16 juin, Bousquet promet de livrer 10 000 juifs étrangers détenus dans les camps de zone sud. Il y a eu incontestablement un choix qui a été fait par Vichy. C'est-à-dire que dès l'instant où les Allemands lui demandent, dans un premier temps, un contingent de juifs, qui porte sur les adultes de 16 ans à 55 ans, il va répondre à cette demande en disant « pas de problème pour les juifs étrangers ». Des juifs étrangers, sans aucun remords. En disant plus tard qu'il espérait sauvegarder les juifs français, ce qui n'est pas évident. Le 2 juillet, une nouvelle rencontre a lieu entre Bousquet et les chefs SS. Elle est décisive. Bousquet promet le concours de la police française dans les deux zones. En échange, les juifs français ne seront pas concernés par les rafles. En principe. Et le 2 juillet 1942, Bousquet est venu pour une confrontation décisive avec les chefs SS. On a le procès-verbal de cette réunion. Et il vient, en principe, porteur d'instructions de son gouvernement. Il dit, c'est le souhait du maréchal que la police française ne soit pas engagée. Mais comme il a déjà donné 10 000 juifs étrangers, il ne les a pas encore livrés, mais il les a donnés par un accord, 10 000 juifs étrangers de la zone libre, qui sont arrêtés par des policiers français, et qui vont être livrés par des policiers français. Sa défense en ce qui concerne l'emploi de la police française est très, ne peut pas tenir. Vichy va vouloir montrer qu'il est maître chez lui et que comme les Allemands veulent arrêter des Juifs, ce seront les Français qui les arrêteront parce que la police française doit être maîtresse chez elle et c'est elle qui doit opérer les rafles. Le 3 juillet, au Conseil des ministres,
Laval et Pétain entérinent la capitulation de Bousquet devant les Allemands. Et Laval va même plus loin. Il propose, comme le souligne ce document allemand, que lors des déportations des familles juives de la zone non occupée, d'y comprendre également les enfants âgés de moins de 16 ans. Or, souvent ces enfants juifs, nés en France, sont français. La Libye d'épargner les juifs français, promis par Bousquet le 2 juillet, s'effondre deux jours plus tard. Il pouvait pas dire, les parents vont à la mort, et donc on met de côté les enfants pour pas qu'ils soient tués aussi. Et donc il a proposé aux Allemands de prendre les enfants de la zone libre. Les barrières morales ont totalement sauté à ce moment-là. Elles ont sauté pour les juifs étrangers, pour les adultes, elles sauteront pour les enfants. Il n'y a dans ces négociations à aucun moment, quand on regarde les documents, indépendamment des stratégies politiques, il n'y a à aucun moment un souci de type humanitaire. On ne se pose à aucun moment la question de savoir. Mais d'abord, quel sera le sort de ces personnes-là? Dans quelles conditions vont-ils être d'abord parqués dans les camps? Comment vont-ils être déportés? Et enfin, qu'est-ce qui les attend au bout? À aucun moment, le gouvernement de Vichy ne se préoccupe de ces questions-là. L'accord établi, les préparatifs s'accélèrent. Des réunions de travail regroupent Allemands et Français. Rien n'est laissé au hasard. Tous les détails sont étudiés. Sont extraites du fichier central de la préfecture, établi en 1940. On réquisitionne les autobus pour le transport. À l'aube du 16 juillet, des centaines de policiers français arrêtent 12 884 juifs. Les agents chargés de l'arrestation s'assurent, selon les instructions du directeur de la police municipale, que les compteurs d'électricité et de gaz sont bien fermés. Les autobus conduisent à Drancy les hommes et les femmes. Les familles sont parquées au vélodrome d'hiver dans des conditions atroces. Il n'existe qu'une seule photo de la plus grande rafle de l'histoire de France. Puis les détenus sont dirigés vers les camps du Loiret, Beaune et Pithiviers, qui servent d'annexe à Drancy. D'autres rafles ont lieu en zone occupée, à Rouen, Épernay, Nancy. Partout, les fonctionnaires appliquent les consignes. À Bordeaux, un parmi d'autres, le secrétaire général de la préfecture signe les ordres. Il s'appelle Maurice Papon. À Bordeaux, les dégâts ont été des dégâts plus considérables proportionnellement que dans le reste de la France. C'est-à-dire que la préfecture n'a pas été un organe se refusant à appliquer les demandes des Allemands. Au niveau de Papon, c'est l'exécution des mesures qui sont prises par le gouvernement. Ce que l'on peut remarquer, c'est que d'abord, il pouvait ne pas les appliquer, il pouvait démissionner pour ne pas avoir appliqué des mesures contraires aux droits des gens, et même contraires, je dirais, aux lois, puisqu'il n'y avait pas de loi pour arrêter les enfants juifs français. En août, c'est autour de la zone sud où, faut-il le rappeler, il n'y a pas d'occupation allemande à cette date. Sur instruction de Bousquet, qui préconise une seule grande rafle, 10 000 juifs tirés des camps d'internement, ramassés dans les villes et les campagnes, sont acheminés dans des voyages interminables jusqu'à Drancy. En zone sud, où ce sont, bien entendu, puisque la zone sud n'est pas encore envahie, ce sont forcément des policiers et des gendarmes français qui vont arrêter dans les villes, dans les bourgs, ou les sortir des camps d'internement dans lesquels les juifs avaient été internés à compter de l'automne 1940. Ils vont donc rafler quelques 10 000 juifs qui seront transférés à Drancy, antichambre, avant les camps de la mort, avant d'Auschwitz-Birkenau. Vichy arrête en zone libre, là où il n'y a pas d'Allemands, des milliers de Juifs pour les transférer vers la zone occupée, les livrer aux Allemands. C'est donc, je dirais, dans l'histoire de toute la France, la page, je crois, la plus noire, parce que livrer à l'ennemi des familles qui sont vouées à la mort, bon, c'est quelque chose d'horrible. Mais le spectacle insoutenable de ces milliers de femmes, d'enfants et d'hommes entassés dans des wagons à bestiaux provoque un sursaut de l'opinion. Les évêques, qui jusque-là n'avaient guère bronché, s'en font l'écho et protestent auprès du chef de l'État. Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, dénonce en chaire les violations de la morale chrétienne.
Le pasteur Bugner proteste vivement. Il semble que Pétain soit ébranlé. Les Français ont réagi dans presque tous les départements. On voit les rapports des préfets qui insistent sur cette unanimité de l'opinion qui n'accepte pas cette situation déshonorante. Les Juifs raflés, Français ou étrangers, transitent vers Drancy avant d'être déportés vers l'Est. Tout au long du mois d'août, des convois, minutieusement préparés, partent vers Auschwitz. Les nazis, satisfaits de la collaboration de l'administration et de la police française, réclament toujours plus de juifs. Un nouveau programme de déportation est envisagé. Eichmann formule de nouvelles exigences. Le représentant d'Eichmann à Paris vient à Berlin et obtient 50 trains pour la période du 15 septembre au 30 octobre 1942. C'est-à-dire 50 000 juifs, 1000 juifs par jour. Il table sur la coopération de Vichy. Or, Vichy est confronté à la réaction de l'opinion publique et Pétain en tient compte et le dit Laval en tient compte et le dit à ses interlocuteurs SS. Et le programme est annulé. Les rafles, les arrestations, les déportations continueront jusqu'en 1944. Mais 1942 reste l'année la plus noire dans le calvaire juif. Par la suite, la solidarité des Français permet d'éviter que le bilan soit encore plus lourd. À partir de l'été 42, devant les spectacles de ces enfants, de ces femmes surtout raflées, et dans quelles conditions et de quelle manière, une partie de la population française, même si elle est antisémite, enfin idéologiquement, une partie de la population française, chrétienne, des catholiques, des protestants, on le sait bien, mais en même temps des agnostiques, bien sûr, vont pratiquer ce qu'on appelle la résistance caritative, c'est-à-dire donc cacher, trouver des caches, protéger des enfants juifs. Pratiquement tous les juifs qui ont survécu, il y a quand même 240 000 juifs qui ont survécu sur 320 000, tous peuvent faire état de moments où ils ont eu besoin de la population non-juive, où la population non-juive savait qu'ils étaient juifs, et où ils ont été aidés, où ils n'ont pas été trahis. Contrairement à ce qui s'est dit, il y a eu peu de dénonciations en France, c'est une légende. Ce n'est pas parce qu'on retrouve des lettres de dénonciation qu'on doit en conclure qu'il y avait beaucoup de dénonciations. De 1942 à 1944, 79 convois ont déporté vers les camps nazis 75 721 juifs vivant en France. 6 000 avaient moins de 12 ans. Un tiers des déportés étaient des juifs français. Sur les 75 000 déportés, 2 500 ont survécu. La planification, la programmation de la répression dans un premier temps, puis ensuite à partir de l'été 42, de la déportation des Juifs de France et le fait des Allemands, et le fait des nazis, et le fait donc des services spécialisés, dépendant notamment de Eichmann, des services spécialisés donc du Reich. Bon. Premier point. Deuxième point, cette répression n'a pu fonctionner tel que nous le savons maintenant qu'avec la complicité pleine et entière
et des autorités de Vichy. Ceux de manière tout à fait intolérable et ceux de manière, on peut dire, impardonnable. Quand on fait comme moi le compte un à un de tous ceux qui ont été arrêtés dans le mémorial de la déportation des Juifs de France, quand on voit toutes ces lignes et quand on sait que chaque être est un être humain qui a eu sa vie tranchée, ou quand on fait le compte, je dirais, des enfants, et quand on regarde chaque destin d'enfant, chaque photo d'enfant, chaque famille, eh bien, c'est extrêmement douloureux. D'aujourd'hui, les déclarations comme celle de Jacques Chirac sont des déclarations courageuses qui vont à l'encontre de ce qui s'est fait par Vichy. Reconnaître ce qui a été fait, le regarder en face, juger un papon malgré l'envergure sociale de ce personnage, c'est un acte de courage de la part de la France, et c'est comme ça qu'on regagne le terrain qui a été perdu au cours de cette période tragique.